Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de So Intuitive, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve les cancers pour votre tirage un petit peu en retard du mois de décembre 2023, le tirage sentimental. Donc on va aller voir un petit peu ici quel message les cancers vous allez recevoir. Donc rappelez-vous de toujours garder votre discernement, c'est un tirage général. C'est un tirage qui ne parlera pas à tous les cancers, comme d'habitude. Donc, cancer, si vous êtes donc en signe solaire, ascendant, lune ou encore Vénus en cancer, bah, ce tirage peut effectivement résonner en vous. On y va avec l'oracle des anges de l'amour. Allez, petit cancer, décembre 2023. On y va. Alors évidemment, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple ou dans des relations triangulaires, complicares, hein. Voilà. Allez, une première carte pour nos amis cancer. Décembre 2023, on en a une qui s'est retournée. Et on vous dit, âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Oui, c'est bien la personne... que vous attendiez, oui, c'est bien la personne qui vous correspond. Si on peut dire ça de cette façon-là. En tout cas, c'est une personne avec qui, donc soit que vous venez de rencontrer, attendez, je prends la suite, soit que vous venez de rencontrer, soit une personne avec qui vous êtes en relation. Alors, vous savez que les âmes sœurs peuvent être effectivement des histoires d'amour, mais peuvent être aussi des personnes très proches à une âme sœur. Ça peut être aussi quelqu'un qui rentre dans votre vie, une amie, une nouvelle rencontre amicale, ou fusionner aussi avec quelqu'un de sympa, homme ou femme, bien sûr. Donc, ce sont aussi des âmes sœurs. Bougez pas, je prends mon verre d'eau. Donc voilà, ça peut être aussi une personne qui va rentrer dans votre vie très importante, qui n'est pas forcément un amoureux ou une amoureuse. Mais pour d'autres, effectivement, on parle bien d'une histoire d'amour. Allez, mes petits cancers, donc pour le mois de décembre avec la triade, quel est le message que vous devez recevoir, les petits cancers? Ascendant cancer, lune, Vénus en cancer. Merci mes guides. Un petit message pour nos cancers, s'il vous plaît. La lumière. Alors, on a ce nouveau départ, hein, cette étoile 10. Donc, on est sur un nouveau cycle ici. Nouveau cycle. Nouveau cycle, donc... Bah plutôt lumineux. Vous êtes dans la lumière. Vous avez tout simplement... mis peut-être en lumière certaines choses. Il y a besoin peut-être d'éclaircir aussi quelque chose ici. Alors, est-ce que vous êtes en train d'éclaircir les choses? Est-ce que dans ce mois de décembre, il y a une sorte d'illumination, de la clarté, vous voyez, quelque part, dans ce que vous vivez? On peut parler de la voie que vous avez prise, une nouvelle voie avec cette personne. Une nouvelle, comment dire, on peut être en lumière aussi, hein. Vous pouvez effectivement avoir cette reconnaissance, mettre en lumière certaines choses. Peut-être vous êtes en lumière ce mois-ci, cancer, par rapport à une relation, à cette situation. Voilà, il y a certaines choses qui aboutissent, il y a certaines choses qui s'éclairent, il y a certaines choses qui sont mises dans la lumière. Donc vous vous sentez peut-être en lumière avec cette personne. Il peut y avoir effectivement, voilà, quelque chose qui est en train de s'éclaircir. On voit, hein, on voit les choses, c'est beaucoup plus clair. Voilà, il y a de la clarté, il y a des choses beaucoup plus lumineuses qui se font ici dans cette relation avec cette personne. Puis pour d'autres, effectivement, vous pouvez rencontrer une personne avec qui vous pouvez effectivement faire des choses qui vous plaisent. Alors peut-être tout simplement vous bossez ensemble, hein, vous bossez peut-être dans quelque chose qui vous plaît tous les deux ou toutes les deux. Quelque chose qui fait que vous pouvez... Alors, la lumière, pour moi, ça me fait penser aussi au cinéma, à la comédie. Vous voyez ce que je veux dire? Avec les feux des projecteurs. Donc, vous pouvez effectivement rencontrer quelqu'un avec qui... comment dire?
peut-être dans votre domaine professionnel aussi, j'entends. Donc, pour certains, vous pouvez déjà bosser avec quelqu'un dans le domaine professionnel et puis cette personne peut être effectivement déjà au départ une âme sœur, une personne très proche avec qui aussi peut-être certaines choses vont se mettre en lumière. Hein. Peut-être que effectivement, vous pensez que cette personne est très 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 proche de vous qu'au niveau amical et puis là, tout à coup, de la clarté dans cette situation. Peut-être cette personne avec qui vous travaillez, vous rendez compte que c'est autre chose qu'une simple amie ou ami. Ok. Bon, pas mal de messages pour vous les cancers. On continue avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour les cancers. Bienveillance, respect, fidélité. Ouais. Bienveillance, bienveillance pour vous, bienveillance en ce qui vous concerne ou bienveillance dans une relation ici. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous attirez à vous, de la bienveillance. Il y a la question aujourd'hui, alors que vous soyez célibataire ou même dans des relations un petit peu complexes, il y a besoin quelque part de rester toujours dans la bienveillance, vous voyez. Peu importe aujourd'hui les personnes que vous rencontrez ou si vous êtes dans une relation, on voit qu'il y a du respect, de la bienveillance, de la fidélité pour ceux qui sont dans un couple, d'accord. Ensuite, pour ceux qui effectivement rencontrent des nouvelles personnes, il y a l'idée quand même, d'être toujours dans cette énergie, voilà, de respect, de se dire les choses clairement, d'être bienveillant, d'avoir envie quelque part, enfin d'être tout simplement gentleman ou gentlewoman, bien sûr, voilà, de rester élégant, de rester respectueux. Et quelque part, si vous sentez que les personnes en face de vous ne le sont pas, hein, même dans votre relation, si vous sentez que l'autre en face de vous n'est pas dans cette même énergie que vous de bienveillance, de respect, et que vous ne la sentez pas aussi non plus, ben, il y a question vraiment de s'affirmer. Voilà. Si vous restez authentique, si vous, vous êtes dans ce respect, cette bienveillance et dans la fidélité au sens propre et au sens aussi de se dire « je reste fidèle à moi-même, je fais les choses » pour ne pas me manquer moi-même de respect, ben effectivement, dans l'authenticité, il y a une histoire d'amour possible qui va se conclure sur une longue durée. D'accord ? Donc, quelque part, il y a de l'amour, il y a de l'amour. Et quand cet amour résonne à l'unisson, c'est guérisseur. Voilà, c'est guérisseur. Et il peut aussi, d'ailleurs, de près ou de loin, servir de repère pour d'autres et leur redonner l'espoir. Parce que c'est vrai que quand on se montre aux autres dans un couple qui tient la route, qui est dans la bienveillance, le respect, ben ça peut donner envie aux personnes autour de vous aussi d'être dans cette énergie-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, il y a comme si vous receviez aussi un message. Alors, il y a quand même « Prends garde sous mon sein la grenade ». Je pense que vous connaissez cette expression. Il y a vraiment l'idée ici, oui, effectivement, de fidélité. Hein, vous avez envie d'une relation dans la fidélité. C'est pas comme si quelque part vous mettiez en garde l'autre. C'est juste de dire que il y a besoin de vivre l'amour, que vous êtes à votre place dans la relation dans laquelle vous êtes, les cancers, ou bien sûr dans la future relation qui arrive vers vous. Et quelque part, l'univers vous félicite et vous remercie de cultiver autant de fidélité à l'amour. Hein, que vous soyez fidèle à la femme ou l'homme que vous aimez et d'être fidèle tout simplement à l'amour. Donc voilà, si demain vous rentrez dans une relation et que vous rentrez ou que vous êtes dans une relation où il y a tout cet amour et cette fidélité, ben, vous savez très bien qu'on se, nous nous sommes incarnés justement pour vivre l'amour. Hein. Même si on vit des relations compliquées, ben, on doit aller dans ce sens, voilà, vers l'amour. Donc ici, il y a toujours beaucoup de bienveillance, de respect et de fidélité dans ce que vous êtes et dans l'amour pour quelqu'un ou l'amour tout court. Et c'est ça qui est chouette. Hein. C'est chouette. Très bien, on continue. Ici, il y a aussi cette relation qui va être mise en lumière parce que si dans cette relation, vous vivez toujours, enfin, c'est pas vous vivez, si vous vous rendez compte qu'avec cette personne, il y a toujours de la bienveillance, du respect, de la fidélité, ben, au fur et à mesure du temps, peut-être que cette relation amicale se transforme en relation amoureuse. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une transformation de cette relation. Alors, on continue les cancers pour le mois de décembre 2023. On y va, le rejet, l'événement rapide. Alors, ce n'est pas la continuité, hein, vous le savez. Ok. Ouh là 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 là. Alors, ici pour les cancers,
En dos de deck, j'ai effectivement la dépendance. Donc on peut parler de dépendance affective, on peut parler de dépendance tout court. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Hein. Effectivement, il y a une problématique de dépendance affective ou de dépendance malsaine à toutes sortes de cochonneries. Hein. Alcool, drogue, voilà, il y a des addictions. Alors, on a effectivement pour certains cancers ici, on a la blessure de rejet pour certains cancers. Donc on voit effectivement que vous avez pu expérimenter ou vous expérimentez peut-être une blessure de rejet. On voit quelque chose qui arrive très rapidement. Alors, vous savez que la blessure de rejet, c'est quelque chose que vous portez au niveau familial, transgénérationnel. C'est soit vous êtes dans une relation et la personne en face vous rejette, soit c'est vous qui rejetez. Hein. Donc, ça représente vraiment une personne ici qui a été repoussée, qui est liée à l'angoisse aussi de la séparation. Vous avez peut-être peur que l'autre s'en aille ou vous sentez justement ce rejet qui est souvent lié à la maman. C'est effectivement une souffrance émotionnelle hein, avec cette fragilité et on a souvent le sentiment de ne pas être à la hauteur dans ces situations. Alors ça peut être vous, mais ça peut être votre compagne ou votre compagnon justement. Ben, moi, j'ai envie de dire ici, dans ce que je vois, ce tirage, c'est que la personne en face de vous, avec qui vous êtes en couple, alors que ça soit vous ou l'autre, il y a cette peur d'être rejeté, il y a cette peur d'être repoussé. Voyez, et on voit qu'ici, rapidement, on voit effectivement que la personne en face de vous va vous aider à transformer cette peur, cette crainte. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, pour certains, il peut y avoir effectivement un rival ou une rivale, pas au sens propre du terme, c'est-à-dire pas forcément la trahison, c'est pas ça. C'est de dire que cette personne, elle vous fait travailler peut-être sur cette blessure. Alors, il y a certains cancers qui peuvent être effectivement se sentir, pardon, rejetés par quelqu'un ici avec qui vous êtes en couple ou tout simplement une personne que vous rencontrez hein, rapidement peut-être. Il y a ici des personnes qui vont rencontrer quelqu'un et qui vont se sentir très rapidement repoussées, voilà, rejetées. Mais c'est quelque chose qui vous aide à transformer cette blessure. C'est quelqu'un qui vous aide ici à vous métamorphoser. Parce que quand quelqu'un vous rejette, ben, ça vous fait travailler sur vous, sur votre blessure. Ça vous fait comprendre que vous êtes vous-même face à cette blessure de rejet qui vous met dans la dépendance affective. Et de là, effectivement, vous entamez ce travail d'introspection, de blessure de l'âme. Donc, ce qui est positif dans tout ça, c'est que vous allez vous rendre compte très rapidement que cette personne, elle vous aide à avancer dans vos schémas, dans vos blessures. Donc, c'est un ou une adversaire très redoutable. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui joue beaucoup de son physique, qui est dans la séduction. C'est une maîtresse aussi potentielle. Donc, on peut avoir... Ou un amant, bien sûr. Mais vous allez vous rendre compte ici que, effectivement, cette personne... Alors, soit vous rencontrez quelqu'un et vous êtes en couple et cet amant ou cette maîtresse ben, va vous aider tout simplement très rapidement à travailler sur cette blessure. Vous allez vous sentir rejeté. Et effectivement, ça va vous aider à vous mettre en pause et à réfléchir sur ce qui ne va pas chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça qui est intéressant dans le tirage que je vois ici, c'est que elle va vous faire, cette personne, cette énergie, travailler sur votre problématique, sur un schéma aussi que vous reproduisez. Donc si vous êtes célibataire, faites bien attention aux personnes qui vont croiser votre chemin, okay, parce que cette personne va vous rejeter et va vous aider à travailler malgré tout sur cette blessure. Donc ça reste une rencontre intéressante, douloureuse certes, mais intéressante. Ça va vous aider justement à couper, à prendre un temps pour vous, pour justement aller vers ce renouveau, cette transformation. Un autre message, c'est que si vous avez été rejeté dans une relation, cette personne en face de vous aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de se transformer très rapidement dans ce mois de décembre. Et on voit effectivement qu'il y a bien un renouveau dans une relation où il y a eu effectivement déjà séparation, rejet et compagnie. Voilà. Il y avait peut-être besoin, il y a besoin de temps par moment pour mettre en lumière certaines choses, tout simplement. Mais on voit quand même pour d'autres qu'ici, dans une relation, il y a peut-être eu besoin de temps, mais il y a toujours ce respect, cette fidélité, cette bienveillance. Et c'est ça, en fait. C'est aussi une relation qui peut vous aider à travailler sur le respect de vous-même, sur être fidèle à ce que vous souhaitez ou pas, ou plus, dans votre vie. Donc, quoi qu'il en soit, c'est une leçon de vie. Pour vous respecter, pour vous choisir aussi. Allez, on continue avec les secrets caché du cœur. Je vous fais voir la boîte. Voilà,
C'est un oracle que j'ai acheté sur internet. Donc on y va pour vous. Les cancers. Allez, décembre 2023. Les messages pour vous. Les cancers. Nous avons brisé. Le cœur brisé. Destroy. Eh ben dis donc. Donc il y a quelqu'un ici qui a brisé votre cœur. La fin de quelque chose, l'issue et la fin de quelque chose, hein, voilà. On s'en va, on laisse quelque chose derrière soi. Ok. Une âme sœur, un profond amour, une unité, une connexion ici. Et vous voyez, quelque part, vous soignez votre blessure, vous soignez quelque chose qui se termine ici. Et vous retrouvez cette âme sœur, parce que ça fait quand même deux fois qu'on vous parle d'âme sœur. Hein. Ouais. Des âmes ici avec un profond amour, avec une unité, une connexion, les cancers. Un jour, quelque part, une autre fois. Quelques jours, quelque part, un autre moment. Où on aura la loyauté, croire en la personne, vous voyez. Et c'est ça qui est chouette, quelque part. Ouais. Vous voyez ici, il y a une question de poser des limites. Hein. Donc, on vous dit, cancer, effectivement, qu'ici, il y a besoin peut-être d'avoir à vivre certaines choses qui, aujourd'hui, vont vous apprendre à dire non. À dire tout simplement que vous devez poser des limites et de vous dire assez. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes en face de vous qui peuvent, justement, vous avoir fait mal, vous avoir brisé le cœur. Et tout ça est derrière vous, tout ça vous le laissez derrière vous, vous refermez ce chapitre de votre vie qui vous amène justement à la rencontre d'une âme sœur. Alors quand, je ne sais pas, parce que voilà, hein, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'un jour, quelque part, dans un autre moment de votre vie, ben oui, effectivement, vous allez vous respecter, vous allez être loyal envers vous-même. Vous êtes dans une relation où vous allez tout simplement vivre cette loyauté et cette, comment dire, belle histoire, vous voyez, où on voit que quelque part, il y a cette belle histoire qui est là, qui est possible pour vous. Mais il fallait peut-être, ou il faut peut-être pour certains, vivre ce genre de problématique ici pour pouvoir enfin trouver la bonne personne ou être tout simplement capable de vivre une relation sans se faire souffrir, sans ressentir de la dépendance, sans laisser l'autre nous blesser, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc c'est une question toujours encore de loyauté, de fidélité. Donc par loyauté, par fidélité, ben, oui, je peux vivre cet amour avec une personne, je me sens dans l'unité, je vibre à l'unisson. Donc il y a bien quelque chose ici qui se termine. Pour certains, pour certaines ici, où il y a eu effectivement ce cœur brisé hein, dans une relation d'âme-sœur, peut-être aussi, hein, attention, hein, dans des relations flammes jumelles. Bon, il y a vraiment l'idée ici de laisser derrière soi certaines blessures, souffrances, notamment de rejet, voyez, pour pouvoir vivre un bel amour, quoi, tout simplement. Donc ça peut être toujours avec la même personne, ça peut être avec une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Hein. Alors, on continue avec des messages. Croire en votre pouvoir magique, votre propre pouvoir. On y va. Allez, pour vous, cancer, pour ce mois de décembre 2023. Un message, s'il vous plaît. Non ? Oui, on en a deux. On en a trois. Alors, on vous dit aujourd'hui de vous, tout simplement, vous prendre vous-même pour sortir, pour aller prendre l'air un petit peu, hein, prendre soin de vous, prendre l'air. On vous dit que vous pouvez manifester à vous, avec les étoiles, vous pouvez manifester chacun de vos souhaits, chacun de vos rêves, que vous pouvez être votre propre prince ou votre propre princesse. Hein, voilà, c'est joli. Et puis un dernier message, vous pouvez toujours réécrire votre histoire. Avec Villain. Ouais, vous pouvez toujours réécrire votre histoire. Donc, quelque part, il y a aussi l'idée, vous voyez, de casser quelque chose, de laisser certaines choses ici qui ne vibrent plus avec ce que vous êtes, avec ici ce coquillage qui envoie des sons, vous voyez. Voilà, vous pouvez toujours réécrire votre histoire. Donc, ça veut dire que quelque part, peut-être vous aviez commencé une histoire d'une façon et qu'aujourd'hui, vous l'écrivez totalement différemment. Donc, il y a l'idée de prendre du temps pour soi, de sortir ici. Que vous pouvez être votre propre prince charmant ou votre propre princesse. Et ça, quelque part, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une question de s'aimer aussi. Hein, voilà, parce que si vous avez été dans la dépendance affective, c'est important de ne pas vivre avec l'autre dans cette dépendance. Hein. Ouais. Alors, on continue avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Allez, pour vous, les cancers. Regardez, il y a quelque chose qui se libère ici pour aller vers ce soleil, vers cette lumière.
Hein, on voit une libération, un nouveau départ. Il y a une nouvelle aventure qui se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Hein. On vous a dit ici hein, que vous pouvez toujours manifester chacun de vos souhaits. Donc, on a un nouveau départ dans une relation ou un nouveau départ avec quelqu'un de nouveau, une âme sœur ou pas. Ou cette personne est déjà votre âme sœur. Alors, regardez ici, on a ces deux personnes. Soit vous qui regardez votre reflet dans ces eaux-là, profondes, ou ces deux personnes ici qui se regardent, hein, voilà, avec des énergies de guérison, je pense. De quoi on nous parle? Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Ouais, il y a certaines choses ici, cancer, que tu dois laisser derrière toi pour pouvoir avancer, tout simplement. On va prendre encore un message pour toi. On a deux personnes ici avec des ailes d'ange. On voit ce cœur ici au niveau de ton chakra, de la gorge. Tu as peut-être des choses à dire, des mots d'amour. Et le message est « Mon amour ». Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Alors ça, c'est un message bien particulier pour certains ou certaines d'entre vous. Vous voyez comment ça vous parle ? Joli message en tout cas. Alors, on va terminer avec la voyance cage de Joe. On va voir quel message Joe a envie de te passer. Pour terminer ici, alors c'est cache. Allez Joe. Quel message pour nos amis cancer pour ce mois de décembre? Stop, depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse? Ça veut dire, c'est bon, arrête de rester enfermé quoi. On te l'a dit d'ailleurs ici. Hein. On te dit de te prendre en main et de sortir à l'extérieur, d'aller prendre le soleil. Et là aussi, on te le redit encore. Deuxième message, t'as pas plus urgent à penser là? Et troisième message, et si on changeait de question vu que tu connais déjà la réponse? Ouais, il y a certains cancers qui tournent en rond sur des choses qui n'ont plus lieu d'être. Bon, effectivement, on a vu certaines personnes en souffrance avec ces blessures de rejet. Donc, vois comment ça te parle ici, petit cancer. Donc, j'espère que ce tirage te parlera. Merci pour les likes. Merci pour, écoute, pour les partages, pour les guidances. D'ailleurs, si tu as besoin d'un tirage privé ou d'un soin, peu importe, tu as toutes les informations sous chaque vidéo et directement mon site internet pour prendre rendez-vous ou pour réserver, peu importe ce dont tu as besoin. Tu as mon WhatsApp, mon adresse mail, si tu as besoin de renseignements, n'hésite pas. Je suis disponible, je te fais d'énormes bisous en tout cas cancer. Prends bien soin de toi, je te retrouve donc bientôt pour les tirages du premier semestre 2024. Je t'embrasse, je te retrouve très vite, des bisous du cœur, bye bye.